du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes là devant Jésus, l'agneau souverain. C'est lui que les prophètes, les lois ont annoncé. Philippe a dit à Nathanaël, nous avons vu ce Messie. Oui, Seigneur Jésus, nous t'avons vu aussi. Et nous sommes là ce soir pour t'adorer. Toi seul qui es digne d'adoration, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te dire que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne sommes rien. Oui, nous sommes là ce soir pour t'adorer. Et pas seulement ce soir, mais tout au long de notre vie, tant que tu nous donnes la vie, tant que nous sommes encore vivants, Seigneur, nous voulons t'adorer. Nous vouons toute notre vie à toi pour t'adorer. Oui, Seigneur, tu as dit à Barthélemy, « Je te connais quand tu étais sur le figuier, je t'ai déjà vu. » Oui, Seigneur, c'est toi qui nous connais. Ta main nous conduit. Tu as posé, Seigneur, sur nous ta main. Tu nous guides, Seigneur, comme les étoiles dans la nuit. Ô notre Dieu, adoration à ton nom. Toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Oui, nous voulons t'adorer. Que tout ce qui est en nous t'adore, Seigneur. Nous mettons à genoux, Seigneur, le monde entier. Ô Seigneur, que tous t'adorent, que le monde t'adore. Que ce que nous sommes t'adore. Ô adoration à toi, Seigneur. Gloire, louange à toi, Seigneur. Oui, toi qui nous connais. Mes frères, mes sœurs, adorons Jésus. Présent au milieu de nous. Il est là. Il est là. Oui, Jésus, nous voulons t'adorer. Adore le Seigneur. Dis-lui que je t'adore. Dis-lui que je te donne toute ma vie. Dis-lui que sans toi, je ne suis rien. Oui, Jésus, nous voulons t'adorer. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes le mouvement et l'être, ô adoration à toi Jésus, louange à toi Jésus, gloire à toi Jésus, ô Jésus, nous t'adorons, ô qui t'adorons.
Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi et tu nous connais. Tu sais tout de nous. Nous ne pouvons pas te cacher à toi, car tu nous connais. Ta main nous conduit et tu as posé nos mains, tes mains sur nous. Oui, tu nous connais, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que toi, tu nous connais. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin. Oh Jésus, tu connais chacun de nous et tu appelles chacun par son nom. Oh Seigneur, ça nous rassure. Nous ne sommes pas différents de toi. Tu nous connais. Ta main. Tu as posé sur
Ce Dieu qui te connaît, laisse-toi te regarder. Moi, oui, que je suis au. Ta cible ou à peau. Yesu ma kuna o Yesu menye ta o la gbe kule kume. Yesu na kene. Yesu pom la enam Yesu chonye nwo.
Bien-aimés du Seigneur, nous écoutons les intentions de la messe. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Joseph Tété, demandé par Marceline. Action de grâce au Seigneur, protection divine pour Kiki. Il prie pour ses intentions particulières et confie au Seigneur tous ses projets. Messe demandée par un chrétien. Carlos demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Il implore la protection divine et confie au Seigneur ses projets et demande à ce dernier d'être au cœur de toute sa vie. Action de grâce au Seigneur pour avoir délivré son fils Joseph d'une grave maladie. Il confie au Seigneur Élie et Akouvi. Messe demandée par André. Messe en l'honneur de Jésus-Christ pour tous ses bienfaits, demandée par Eugénie. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Clément Cossier-Védio, demandée par la paroisse. Une chrétienne demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la protection divine et confie au Seigneur ses biens et tous ses projets. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Honneur au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Elle demande au Seigneur d'achever en elle ce qu'il a commencé. Elle implore la protection divine pour elle-même, pour son fils, pour son époux et pour toute sa famille. Messe demandée par Lydia Edwige. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Raymond Cloutier et de tous les défunts des familles Cloutier et Akouté. Messe demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur pour son un an à l'étranger. Protection divine pour elle et pour toute sa famille. Messe demandée par une chrétienne. Action de grâce au Seigneur, protection divine pour elle. Messe demandée par une chrétienne. Une autre demande cette messe en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Elle implore la protection divine pour toutes ses intentions particulières. Moïse Akpaki demande cette messe pour implorer du Seigneur sa protection sur le centre, la vraie guérison, pour lui-même, pour sa famille, pour ses employés. Il confie au Seigneur toutes les activités du centre. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits à elle, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses connaissances et pour tous ses bienfaiteurs, par l'intercession de la Vierge Marie. Messe demandée par Suzanne. Messe pour le repos en Dieu de l'âme de Tossa Pascal, pour les âmes des enfants avortés et pour toutes les âmes du purgatoire. Messe demandée par Regina. Messe pour le repos en Dieu de Bénédicta Afiavisala, née à Hové, et pour les âmes du purgatoire. Messe demandée par Sala Festus Etri et sa famille. À ces intentions, nous joignons nos intentions particulières à toutes et à tous. Nous souhaitons une bonne célébration eucharistique.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés du Seigneur, nous célébrons en ce jour la fête de Saint Barthélemy, apôtre, que par son intercession, que le Seigneur nous donne aussi la grâce de nous donner totalement au Seigneur et de dire aussi la vérité. Nous l'écouterons tout à l'heure dans l'Évangile. Jésus dit à Barthélemy que voici un fils d'Israël qui ne sait pas mentir. Jésus peut me dire que je ne sais pas mentir. Le mensonge que nous transformons maintenant en vérité. Et la vérité est devenue mensonge. Demandons son intercession que nous puissions être vrais dans tout ce que nous faisons. Entrons dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantez gloire et gloire à Dieu.
chanter, clamer, gloire à Dieu. Oh, chanter, clamer, gloire à Dieu. Chantez gloire et gloire à Dieu. Et reçois toutes nos prières. Chantez gloire et gloire à Dieu. 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 Car ton nom est saint. Fortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton fils, l'apôtre Saint Barthélemy. Et maintenant qu'il prie pour ton Église, fais qu'elle devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus-Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait, viens. Je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il m'entraîna par l'esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle resplendissait de la gloire de Dieu. Elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au Nord, 3 au Midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits
la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Amis du Seigneur, chantez la gloire de son règne. Alléluia. 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 À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Ô Jésus, notre berger, toi notre sauveur, aujourd'hui tu nous conduis. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit : Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua : De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon ? Philippe répond : Viens et tu verras. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande : Comment me connais-tu ? Jésus lui répond : Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend : Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute : Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce chant-là, toute la gloire, tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Bien-aimés, c'est Jésus, l'agneau immolé. C'est lui que les apôtres glorifient.
À toi, Dieu, notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, à la suite des apôtres, nous aussi, nous sommes apôtres d'une manière ou d'une autre. Nous devons louer, glorifier l'agneau immolé. Oui, bien-aimés, nous célébrons en ce jour du 24 août l'apôtre Saint Barthélemy. Il est encore appelé Nathanaël. C'est Philippe qui l'amena à Jésus après avoir rencontré lui-même Jésus sur les bords du Jourdain. Et l'Évangile le dit bien, Philippe rencontre Nathanaël, c'est-à-dire Barthélemy, et lui dit, « Celui dont parle la loi et les Moïse, la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Voilà aussi notre mission. Philippe a rencontré Jésus. Et il n'a pas gardé Jésus pour lui seul. Il veut communiquer Jésus à ses frères et sœurs. Il a rencontré Barthélemy. Il a dit, viens voir celui dont parle la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Nous l'avons trouvé, nous l'avons rencontré. Toi aussi, viens rester avec lui. Nous sommes aussi appelés et nous sommes envoyés, nous qui avons premièrement rencontré Jésus, d'aller aussi annoncer à nos frères et sœurs. Et Saint Jean le dit bien dans ses épîtres, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons. Autrement, si nous ne faisons pas cette mission en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé, ça veut dire que nous n'avons pas encore rencontré le Seigneur. Ça veut dire que nous n'avons pas encore rencontré le Seigneur. Si nous n'annonçons pas Jésus, si nous ne mettons pas Jésus au centre de nos vies, comme le dit Saint Paul, saisi par le Christ, je cours tout droit vers le but. Saisi par le Christ, je suis. Je cours tout droit vers le but. Olé, j'ai tout sacrifié car pour moi il s'est livré. Saisi par le Christ, je suis. Oh Dieu, Dieu, je cours tout droit vers le but. Olé, j'ai tout sacrifié car pour moi, il s'est livré un jour. Oh, un jour, Seigneur, ta main m'a servi, tu m'as choisi et je t'ai suivi. Suivi, je suis pas de Christ Jésus, mon Dieu, pour le but. Oh, j'ai tout sacrifié car pour moi. Oui, bien-aimé, Philippe a rencontré ce Jésus, comme Saint Paul aussi, sur le chemin de Damas. Et désormais, ils ont donné toute leur vie à Jésus. Et ce n'est pas fini. Ils ont goûté Jésus, comme le dit un psaume. Goûtez et voyez comme il est doux le Seigneur. Ils ont goûté Jésus, ils ont dit que ce Jésus-là, il est trop doux. Nous n'allons pas goûter seul cette douceur. Nous devons donner ça aussi aux autres. Ils ont annoncé la parole, la bonne nouvelle. Nous ne devons pas garder Jésus pour nous seuls. Nous devons donner Jésus aux gens. Que les gens rencontrent ce Jésus. Jésus de Nazareth. Le fils de Marie, ce n'est pas n'importe quel Jésus. Quand on rencontre ce Jésus, notre vie change.
Notre vie n'est plus comme avant. Tout change dans notre vie. Parce que Jésus est vivant. Quand Jésus te touche, toi tu seras vivant. Et tu vas entraîner aussi les autres pour que les autres aussi soient vivants. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Oui, bien-aimé, ce geste de Philippe doit nous interpeller. Baptisés que nous sommes, comment nous annonçons Jésus? C'est très important. Annonçons Jésus pour que les autres aussi jouissent les délices que Jésus a amenés, les biens que Jésus a amenés. C'est pour cela que sa parole est bonne nouvelle. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il faut que tout le monde ait accès à cette bonne nouvelle. Et c'est notre mission. On l'a dit à Nathanaël, mais Nathanaël n'est pas pessimiste. Il dit, quelque chose de bon peut sortir à Nazareth. Nathanaël ou bien Barthélemy, il est franc. Il dit les choses telles qu'elles sont. Et il ne fait pas semblant quoi. Il ne fait pas semblant, il dit les choses telles qu'elles sont. Mais Philippe lui rassure encore, viens et tu verras. Il vient vers Jésus et Jésus lui dit, voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Jésus a vu en Barthélemy cette franchise de vie. Cette vie qui n'est pas double. Il sait qu'il dit la vérité. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Oui, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Jésus vient de là. Toi aussi, ton origine, ton village, là où tu es, ta personne même, quelque chose de bon peut sortir de toi. Oui, quelque chose peut sortir de toi. Et je suis aussi ce témoin, quoi. Je ne vais pas aller chercher l'un. Quelque chose de bon est sorti aussi de moi. Moi qui, entre-temps, on m'a rejeté, que je ne peux pas devenir prêtre, je ne peux pas devenir prêtre. Tu n'es pas assez intelligent, quoi. Tu ne peux pas devenir prêtre. Au séminaire, on étudie beaucoup. On apprend beaucoup. Tel qu'on te voit, tu ne peux pas travailler au séminaire. Tu n'as pas le niveau. Et voilà. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est pourquoi je suis heureux comme prêtre. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur comme prêtre. Et quand je viens célébrer l'Eucharistie, je viens avec toute mon âme pour lui dire merci. Il est juste et bon. Chantez-moi les chants là. Il est juste et bon. Adorera Jésus tout le bien. Il est juste et bon. Te reconnaître. Quelque chose de bon dans ta famille qui n'est pas considérée,
Peux-tu sortir quelque chose de bon au Togo? Togo, devenu la risée de tout le monde. Oui, quelque chose de bon peut sortir de toi. Oui, bien-aimé, Nazareth, ce petit village, c'est là le Messie est sorti. Jésus a dit à Nathanaël, voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Il dit la vérité. Oui, nous sommes aussi appelés à dire la vérité. La vérité pour nous-mêmes, quoi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je peux faire? Ce dont je suis capable. Être vrai envers soi-même et être vrai envers les autres, c'est très important. Et Nathanaël va, comment tu me connais? Il dit, quand Philippe t'appelait sous le figuier, je t'ai vu, je te connais. Ça me rappelle cette histoire de Jésus avec cette Samaritaine. La Samaritaine qui va au village, il dit, venez voir cet homme-là, ce ne serait pas Jésus, il a tout dit de ma vie. Et Canoun est quoi? Sa vie passée. Oui, bien-aimé, Jésus, il nous connaît. C'est notre Dieu. C'est lui qui nous a créés. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Il nous connaît. Il sait tout de nous. Normalement, ça devait nous réjouir que notre Dieu nous connaît. Quand tu nous trompes aussi, il connaît. Quand nous trompons Dieu aussi, il connaît. Quand nous sommes vrais aussi, il connaît. C'est pourquoi il a dit à Nathanaël, un véritable fils d'Israël qui ne sait pas mentir. Oui, Jésus nous connaît. Notre Dieu nous connaît. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Ouvrons grandement nos cœurs à Jésus. Lui qui nous connaît. Il connaît notre difficulté. Il connaît nos soucis. Il connaît nos peines. Il connaît nos joies. Il sait ce qui peut nous donner la joie, la paix du cœur. Confions tout à Jésus. Il est là pour nous. Que sa grâce nous vienne en aide. Et que Saint Barthélemy, celui dont nous faisons mémoire en ce jour, nous vienne en aide. Nos villes à l'automne. Le halam est mieux le coup de Barthélemy Kokwedi. Ameye, Oyona Hambe Nathanaël. Philippe Oye Kouebereka, Ye Wotone Bena. Ameye, Mose, Pag Balea Glo. Ameye, prophète Ao Konupo Sontia, Nye Koue, Ohava Kouera. Adekbe Pa Maounia, Adekbe Pa Nyanyuela. Nyasro nuya le Philippe Obo. Yesu ame ye wo nye matem a khwe. Abale a mo brene be e khwe Yesu. Matem khwe Yesu ye la tue dare na onto ro kio. Awo. Yesu a nyo akpa. Yesu lulu akpa. Yesu vivi akpa. Ore ka matem a wo nti do. Amere la kperin tiyo la se vivi ne gato. E ata Christo toyo mye nye. Nemi mo po lowo doya o wa fi abi mo po jisi Yesu. Nemi mo po lowo gbe po de po doya wa ke Yesu imi ho ami mo nyen to chao. Alo mi mo po ho en to chao. Mo po gera gbe me na mi o. Mo po gera gbe me na mi. E Johannes la globe, ame ye yo po, ame yo yo le plasi. Yo matem adoku e gboglo na mo o. Et Paul Ohan, et il y a au Dogo Yesu le Damas, comme il y a. Oh, ben a Yesu, il y a le ya. Ya ya de gripen amo. Ye wo we ha. En of you, ya ohan. O le mau chinami.
Jésus Christ au peuple badagba. Yé wole be mi adegbe pa Jésus. Et pe nya eni nya nya bonne nouvelle. Dudoro nya 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 la bonne nouvelle. Yé mi adegbe pe. Me glona djiji be ne Christ to. Nous y kemien nye, nous y kemien chole Jésus bo. Ne mia zin qui fia la lezo. Christ toi au mien. Toutes ces personnes-là qui se réclament du Christ. Je ne m'arrête pas ici seulement chez les catholiques. Mais n'y a que tout ce qui est là. Ming balé, tout ce qui est là. Considère au bé au vaï. Ne le tous au moyen viticulé. Ne y pas fi à tchotchi, car amour le fima, Christo to le fima, le gars in a viré, Christo to le fima, tchotchi kwe malo, tchotchi bo kovitukui amo kwe, ni me kwe akbale pedo, mi kwa ou yi lo me bodo ke mo, Christo to, mi sou bo bang 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 Yesu ja bia minya lo, Yesu ja bia minya, ne hihi aga le nene, hihi aga le nyama nene ya, mi o mi me lo mi a o, mi kwa lo o mi a bodo, Dieu comme ça, je dis. Bien, il y a un peu. Apostolo, il y a un peu. Apostolo, il y a un peu. Ils étaient que 12. Moi, je suis 20. Il y a des gens qui ont fait tout. Les gens qui ont fait tout. Ils se vivent. Ils se vivent. Ils m'ont dit qu'ils ont fait tout. Ils ont fait tout. Ils ont fait tout. Christophe nyanyi nyanyue ne evagbe mena o la do le vivitime maga vona nane ke le kire yamu la nyebe unseme la mareke sine me nyebe mawu de kapesi yo ne ho yesu a do le viviti yo me maga chono kyo ave kure na nane kenti yo maga inu kapo maga yi asiyo wopo anyabe yesu ntola wasiyo na yi. Je ne sais pas si avec le ne croyez pas que vous avez un peu de temps. Et une bonne nouvelle. Vous avez un peu de temps. 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 Je veux le bien croire Jésus. Mia croire Jésus. Mais Jésus va du fiade mia pa gbeji. Wa pon sen de mia pa gbeji. Be mi nye agbe, mi lagbe mi nye to, mi ku kha mi nye to, mi ma ga vona na na neko. Novio nya nwe fe gbe pa dede. Et je vous domine. Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous mène le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous mène le cœur en joie. Et puis, il y a une nuit à Nidji là. Il doit être bon, il n'y a pas les yeux au vivre. Matema choye sou, quoi d'assibé ma pomme pour son tinamo, ao. Et ni virus de l'ename. Yesu peut virus de l'ennemi. Soit vous de tout, il vaut d'eau pour les yeux, coronavirus. Il vaut d'eau pour. Yesu veut venir, ne nomianti, ne kamia kwa, ni ma bonou, ni kaye ne kpo Yesu wa, e dogouya, ye le bonou be ma gbolobe nyao, la fille kele le wa,
Yesu benya ni nyatepe. Yefi ile lekwena ba ajera da le fuma gasia gamea. E kho Yesua. E dogoya. Benu imenye to omusone owa. Ni nyatepe yo glona. Bale Yesu glona. Batelemi ke zogbona gbo enebena mi po Israel via ya ameye menya alapo il ne sait pas mentir menya le odanaje. Voilà la bonne nouvelle. Ne le gele nya nyoka ba dogo le nya ya otia. Tu dois t'arrêter. Anote be yo nyare le fia. Voilà, on ne lit pas la bonne nouvelle comme ça. On s'arrête, on rumine, on mange la parole. Ka ka nya la ba zu. Nyala la honti la le honto mozo. Nui jole Maria, mais la jole ouhamo. Voilà la bonne nouvelle, chers amis. Et nyale miasi, mi ame yomi beni khoye suwa. E kpo ija sumia. E suja fomi kakakabi mi choy ben kocho gbelele kikre yame. Nui wolebe mi ame me weo. Mina mi abia Barthélemy kokwe. Benek bere mianti. Ne domi ou sen. Ben nia dek bepa nyan nye la. Le kikiyame. Alebe kikiyame mkoume wa tro. Yesu ike glole mianti ben nyonye kikiyapwe kekeli. Vous êtes la lumière du monde. Et le sel de la terre. Nous yenye Christo toema. Lumière du monde, sel de la terre. Ne Christo to nyanu ye wa nyela ni gba ya dia ki fi ala lezo dofu Christo to me le fima dofu Christo to me le fima do amole Christo to le fima gbangbe politique be dorme ki Christo to me le ya o le gbangbangbangbe onovio Ningba ho Christo to bon kwa ko. Vomia wontido. Christo to nko ware. Ele ve vie be wa yo be Christo to. Ka ke won ko. Christo to va vanenye ano yi malia. Ji ma jo ma wo. Lege mi jina roma. Hein? Le ve vie be wa yo be Christo to. Ga ke won ko ya. Eleve vieu Christo to va vanenye ano yi malia ji majo mawo mawo ne pere mi anti be yesu ne du fiare mi apa gbemela ji mi agble na nyano vi kotia o abale ye filippo brena Barthélemy ene mawo pa mulu ve ne no ni pleni be tola le vila lo kwila kon komme Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Power.
nous supplions de tout nos sacrifices. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant la fête de l'apôtre Saint-Barthélemy, Seigneur, nous te prions. Par son assistance, accorde-nous tes bienfaits, puisque nous t'offrons à son honneur ce sacrifice de louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant d'une seule voix. Ciel et la terre sont pleins de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis, dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur l'humanité éprouvée par la pandémie du coronavirus. Nous implorons ta bonté sur notre pays, le Togo, sur nos familles, sur chacun de nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Barthélemy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. La paix à notre pays, le Togo. La paix dans les pays en guerre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en célébrant la fête de l'apôtre Saint-Barthélemy, nous avons reçu le gage de notre salut éternel. Que cette communion nous soutienne aujourd'hui et toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous souhaitons à tous et à chacun bonne soirée, que le Seigneur nous garde dans sa joie et dans sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mao. Amen.